7 mars 2013, La revanche du tango de Francine Pelletier. Je ne sais pas si vous connaissez Francine Pelletier, c'est une journaliste. Elle a fondé avec d'autres femmes La Vie en rose. Elle a travaillé à Radio-Canada, elle est chroniqueur, elle a fait plusieurs documentaires. Et là, elle s'est attardée sur le nouveau tango tel qu'il est joué et qu'il est dansé à Buenos Aires. C'est un film magnifique où on voit la nouvelle définition du tango, le tango fait par les jeunes qui disent que c'est pas du tango pour touristes qu'on fait, c'est du tango pour la vie, pour les gens, et qui dénote la douleur qu'on peut avoir, qu'on peut vivre les Argentins, qui nous démontre aussi, c'est un tango avec force, avec rage, avec colère, et c'est tout en même temps, c'est tout en douceur parce qu'on sait que le tango, ça fait des vagues. Donc c'est un film très actuel, c'est un film qui a été présenté au Festival du Nouveau Cinéma, qui a été présenté en salle au Cinéma Cartier à Québec et au Cinéma du Parc. C'est vraiment une primeur et les images sont magnifiques. Nosotros tomamos el tango, lo hacemos propio y tratamos de reflejar Buenos Aires hoy. Queremos hacer un tango porque es nuestro, no para vendérselo a nadie. Y queremos que sea como reflejo de lo popular y de lo que nos pasa, no como una remera que diga yo amo Buenos Aires. Muy bien.